Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture sur du Digimon Card Game, à savoir la Release Special Booster version 1.5. Donc c'est la deuxième display TCG, on va dire, de Digimon, mais c'est techniquement un regroupement des trois premières displays japonaises. Donc là, écrit ici BT1 à BT3, donc BT1, BT2, BT3. Et on retrouve ici du coup un total de 152 cartes, mais on va rentrer plus en détail après. C'est une display de 24 boosters, pardon, et chaque booster contient 12 cartes. Bon, ça c'est écrit là. Il y a une box topper. J'ai également et deux dash packs version 1.5. On ouvrira ça après, mais d'abord faisons le tour du propriétaire comme d'habitude. Bon, le display est toujours aussi simpliste entre guillemets. C'est juste les artworks des cartes, et puis voilà en soi. Mais bon, écoutez, ça fait le taf. Hop, évidemment, ma partie préférée. Hein. Oh. Mais du coup, ici vous avez toutes les informations. Donc 152 cartes différentes au total, 64 communes, 40 uncos, 35 rares, 10 super rares et 3 secrets. Bon, la dernière fois on avait réussi à choper des secrets, donc écoutez, hop, on verra ça juste après. Mais d'abord, nos deux dash packs qui se présentent ici. Donc, bon, c'est. J'aime beaucoup. Alors, le Grand Coagamon il est divin, comme ça le Blitzgremon aussi. Et du coup, dans ce dash pack, on va trouver 5 cartes différentes au lieu de. Non, c'était 5 aussi le dernier dash pack? Oui, c'était 5 aussi. Mais du coup, donc on peut avoir un Grand Coagamon, un Brave Shield, Howling Crusher, Holy Wave et Blitz Greymon. Donc, pour ceux qui ne le savent pas techniquement, c'est des artworks alternatifs des cartes qui sont présentes dans cette display-là. Donc écoutez, ne perdons pas plus de temps. On va déjà commencer par les dash packs. Hop, tac, voilà. Alors, est-ce que j'ai bien ouvert les boosters chewing-gum? Ça a l'air d'aller. Et du coup, notre première carte dans notre premier dash pack, ce sera Howling Crusher en artwork alternatif. Elle est très très belle cette carte. Donc pour 7, une option en bleu. Trash all Digivolution cards under all of your opponent's Digimon. Donc vous enlevez toutes les Digivolution cards en dessous de chaque Digimon de l'adversaire pour 7. Et du coup, en security, vous activez son main effect. C'est plutôt cool, mais pour 7, c'est cher. En fait, le mieux c'est de l'avoir en security. Le problème c'est que bleu ne gère pas c'est sécurité comme jaune, puisque le deck jaune c'est sa spécialité, hein, donc c'est un enfer à affronter les decks jaunes pour ceux qui ne savent pas. Sincèrement, c'est pas fun du tout à affronter. Donc écoutez, hop, et notre deuxième dash pack, qu'est-ce qu'on aura de beau dedans? Et bien on aura Brave Shield du coup. Oh, il est stylé comme ça, Wargreymon. Donc en main, vous pouvez désengager un de vos Digimon. Jusqu'à la fin du tour de votre adversaire, ce Digimon a le bloqueur, donc il peut bloquer tout simplement. Et en security, alors qu'est-ce que ça fait? Donc vous pouvez suspendre un Digimon. Ce Digimon a bloqueur pour ce tour. Ok, donc techniquement c'est pas jusqu'à la fin du prochain tour, c'est pour ce tour. Bon, c'est logique puisque en security, les effets comme ça, et techniquement il y a des petites variantes, mais écoutez, pourquoi pas. Donc c'était nos deux artworks alternatifs, hop là, de nos cartes qui sont certainement là-dedans, puisque c'était quoi les raretés? C'était techniquement, on a une rare et une commune, donc on va les voir, je pense, vous inquiétez pas, hop. Tac, et du coup, on a ici, hop, une des promos, une autre promo, et après on a nos boosters, donc on revient sur nos boosters juste après. Donc notre promo, ce sera cette fois-ci un Black Gatomon, il est plutôt mignon comme ça. Hop, donc écoutez, à la fin de... Donc en sécurité, on peut le jouer gratuitement, bon ça c'est toujours cool. Ok, on va pas le enfin on va pas le déballer, c'est pas trop grave. Et du coup ici, on a du coup Special Box Promotion Pack, donc la dernière fois dans la première display qu'on a ouverte, on avait eu le Tai et le Vidramon, donc cette fois-ci, qu'est-ce qu'on peut espérer? Bon, on peut espérer le Garurumon et le Wergarurumon, ou le Agumon Greymon. Donc écoutez, ayons un peu de chance. Ce serait cool qu'on ait chaque promo. Donc là, c'est vraiment des promos purs et durs. C'est pas des reprints ou autre. Hop, donc écoutez, qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? Eh ben, on aura le Garurumon, donc avec le foil un peu pétrole. Je sais pas si ça se voit, ah, ça se voit un peu à la caméra quand même. Donc, qu'est-ce qu'il fait ce Garurumon? Donc, rien, enfin, c'est un Vanilla, mais il a un effet en héritage. Lorsque vous attaquez, si ce Digimon a Garurumon dans son nom, vous pouvez draw 1. Oh, c'est bien, c'est pas une fois par tour, ok. Et derrière, le Wergarurumon, oh, il est stylé de ouf. Donc, lorsque vous attaquez une fois par tour, si ce Digimon a un Garurumon, dans ses cartes de Digivolution, vous pouvez le unsuspend. Et en héritage, durant votre tour, tant que vous avez 8 cartes ou plus dans votre main, ce Digimon a sécurité à attaque plus 1. Oh, mais ils sont vraiment sympas en plus, ces Garurumon. Donc écoutez, hop, ça, on va les sleeve tranquillou. Tac, on va le mettre avec le restant de nos promotions. Tac, voilà, donc nos cartes promo, on va les mettre juste ici, le Black Catomon à côté. Et écoutez, messieurs, dames, il est temps de passer à la display en elle-même. Donc je suppose que comme pour la première, il doit y avoir différentes art style, on va dire, de booster. Hop,
Donc on sort tout et on va regarder ça ensemble. Tac. Voilà, on remet ça là. Donc ça, on le dégage ici. Et du coup, messieurs, dames, qu'est-ce qu'on a de beau? Ouais, on a différentes... On en a 4, bon, comme pour la première, donc... Je ne connais pas ce Digimon. Il est stylé, mais je ne le connais pas. Ah, donc Vidramon, Stingmon et... C'est Bidramon, je crois son nom, si je me souviens bien à lui. Le Omnimon, qui est giga stylé. Omnimon Alter S, d'ailleurs, je crois. Et du coup, Imperial Dramon. Ah, alors il y a Kresgarurumon. Ça, c'est le, c'est Rice Greymon, je crois. Oui, ça doit être Rice Greymon. Et derrière, j'arrive pas à reconnaître. Non, derrière, je le reconnais pas. Donc écoutez, on est parti, messieurs, dames. Hop, pour l'ouverture de nos boosters. Tac, on va commencer par celui-là. Et on est parti. J'espère que, bah, déjà que vous allez bien en attendant hein, que j'en trouve nos boosters tranquillou bilou. Et bah, que tout se passe bien pour vous. Hein, que la santé, tout le monde va bien. Donc écoutez, hop là, on est parti. Avec ici Hawkmon. Garudamon, Cherry Blast, Angemon, Geogremon, Lightning Pow, Angewoman. Notre premier Unko, ce sera un Gatomon. Ok, il est plutôt beau en plus ce Gatomon, je trouve. Kakinmon qui sera notre deuxième Unko. Black Gatomon, du coup c'est le Black Gatomon qu'on avait en promo, donc écoutez, bon, c'était sûr qu'on allait le récupérer au bout d'un moment, mais qui sera notre troisième Unko. Derrière, nous avons une rare, il s'agit de Briou Ludramon. Donc c'était le monsieur sur le booster, je crois, s'il ne me plante pas, mais il est plutôt stylé, ok, en rare. Et derrière, nous avons une autre rare, il s'agit de Dinobimon. Hop, avec, évidemment, oui, j'avais oublié, excusez-moi. Oui, qu'il fallait enlever un petit truc, donc écoutez, nos deux petits rares, tac. Et on continue, messieurs, dames. Hop, deuxième booster. Voilà, hop, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau cette fois-ci? On a... Raiji Ludomon, je ne le connais absolument pas ce Digimon. Peut-être un Ludomon, du coup le bleu que je ne connaissais pas sur les boosters, donc ok. Pinguinmon, un Digimon que j'aime beaucoup, Digimon World, tout ça. Aquilamon ici. Turiemon ici. Blossomon, qui est un Digimon que je joue dans mon deck. Necrophobia ici. Antilamon. Notre premier Unko, ce sera un Lopmon. Poromon, notre deuxième Unko, qui est un bébé. Bancho Stingmon ici en Unko, j'aime beaucoup les délires des Bancho Digimon. Hop, ici on a un Metal Greymon en rare, donc est-ce qu'il fait piercing? Bon bah ça c'est simple. Lorsque vous digivolvez, vous pouvez retourner un Digimon niveau 7 avec virus dans ses attributs depuis votre trash à votre main. Oh c'est plutôt cool ça, ok. Et derrière nous avons un Wormmon en rare. Donc lorsqu'il est delete, vous pouvez révéler les 3 cartes du dessus de votre deck, ajouter un Digimon de niveau 4 ou 5 parmi elles. Puis placer les autres en dessous de votre deck. Bon, c'est plutôt sympa, mais sans plus. Hop, et du coup, la deuxième variante. Hop, du. Comment ça s'appelle? De la Memory Jauge, excusez-moi. Hop, du coup, ça donnerait ça si on les mettait l'un avec l'autre. Ok, ok, bon, pourquoi pas. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans ce troisième booster déjà, messieurs, dames? Hop, tac, alors. Les boosters chewing-gum de Bandai, hein, devoir utiliser des ciseaux à chaque fois, ça me termine un peu. Alors, l'avocat. Ritamon, ici, en commune. Betamon, un de mes Digimon préférés. Clockmon, Skullmeramon, Plasma Steak, j'avais lu Phasma Steak, excusez-moi. Gatomon, ici, donc un autre Gatomon, en commune. Anagumon. En Nunko, on a ici Goldramon, qui est ultra stylé, n'empêche. Code, Kraking, qui sera notre deuxième Unko. Salamon, qui sera notre troisième. Glorious Burst, qui sera une rare en option, donc réduisez le coût de mémoire de cette carte, attendez, réduisez le coût de mémoire de cette carte dans votre main par 1 pour chaque yellow timer que vous avez en jeu. D'accord, donc techniquement, plus vous avez de timer, bon, ça c'est la mécanique de jaune, plus vous avez de timer, moins ça coûte cher à lancer. Et en main, si un Digimon de votre adversaire perd 12 000 de patates pour le tour, ok. Bon, et ça, par contre, ça n'a pas de security, ça c'est un peu chiant. Pourquoi pas, hop, et du coup, derrière nous avons une autre rare, il s'agit de Dark Despair. Du coup, en main, un de vos Digimon gagne Retaliation jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Et en security, vous ajoutez cette carte à votre main. Hop là. Tac. Et faut que j'arrête d'oublier de ne pas enlever la Memory Jauge. Hop, à chaque fois. Tac. Surtout qu'il n'y en a que deux, du coup. J'étais persuadé qu'il y avait d'autres couleurs, mais bon, bah. Apparemment, non. Tac. Hop. Voilà. Alors, ici, nous avons du coup un Psychemon, qui est un Gabumon alternatif. Argomon, ici, une carte que je joue également. Donc le Argomon ulti, oui, c'est l'ultimate. Mamimon, ici. Gewelbimon, il est stylé, mais bon, c'est un vanilla. Positron Laser. Shamanmon.
C'est un Goblimon, mais version alternative, d'accord. Argomon ici, mais version rookie. Flyman, qui sera notre première Unko et qui est une carte que j'hésite à jouer, puisque Security, à la fin de la... Enfin, s'il perd, enfin, à la fin du combat, il se joue gratos, donc j'hésite à le jouer. Minomon, du coup, notre deuxième Unko ici, donc c'est plutôt mignon. Sincèrement, il est plutôt mignon. Puppet Pummel, putain, toutes nos Unkos auraient été du vert cette fois-ci, donc écoutez, pourquoi pas. En rare, ici, nous avons un Malo Mutismon, qui est giga stylé. Piercing, et tous les tours, lorsqu'un Digimon est delete, vous gagnez un de mémoire. C'est sympa. Et notre premier SR de notre ouverture, ce sera Craniamon ici. Hop. Tac. Et du coup, Craniamon, donc il a le bloqueur. Et tous les tours, vos Digimon avec bloqueur ne peuvent pas être delete par des effets de l'adversaire. C'est fort. En vrai, pour de. Bon, ça se joue dans du noir, hein, évidemment, mais. Plutôt cool, plutôt cool. En vrai, il est sympa le Craniamon. Hop. Tac. On continue, messieurs, dames. Hop là. Tac. Et voilà. Hop là. Et alors ici nous avons une Holy Wave. Alors je ne connais absolument pas le Digimon dessus. Il me dit absolument rien ce Digimon. Un Vimon qui a l'air un peu con, on va pas se mentir. Candlemon ici. Gargomon, une carte que je joue, pareil. Argomon. Saberdramon, du coup. Et il est tellement stylé, n'empêche. Techniquement c'est un Beurdramon mais des ténèbres quoi. Mais il est vraiment trop stylé ce truc. Bifrost ici. Gatomon, encore un. Il n'y a que des Gatomon, c'est pas possible. Zudomon qui sera notre premier Unko. Kakinmon qui sera notre deuxième. Oups, attendez, j'ai passé une carte. Il y a peut-être une Unko que j'ai pas fait attention, ça arrive. Mimi Tachikawa du coup qui sera notre première rare. Donc tous les tours, lorsqu'un joueur utilise une option, vous pouvez suspendre pour gagner un de mémoire. Ok. Et en security, du coup, vous jouez gratuitement cette carte. Et derrière, nous avons. Oh! On a une secret. Eh ben écoutez. On a une secret. Non, c'est une super, pardon. C'est une super. Excusez-moi. J'ai lu SER, mais non, c'est SR, du coup, en une artwork alternative. Donc, Imperial Dramon Dragon Mode. Ici, en SR, artwork alternatif. Donc, pour 5, 5 et 13 ici. Alors, lorsqu'un de vos Pale Dramon ou Dinobimon doit digivolver depuis cette carte dans votre main, réduisez le coût de digivolution par 2. C'est fort. Jaming, du coup, il peut jamais perdre ses combats contre les Security Digimon. Et when digivolving, vous pouvez unsuspendre tous vos Digimon avec Jaming. Bon, bah écoutez, littéralement, c'est je tape avec Paildra ou Dinobimon. Je le fais digivolver pour 3, du coup, à la place de 5. Et vu qu'il a Jaming, il se détape. Vraiment fort. En vrai, il est giga cool, ce Imperial Dramon en plus. Hop. Tac. Qu'est-ce qu'on a de beau cette fois-ci? Dans ce booster-là, hop, en tout cas très, très belle carte, hein, le Imperial Dramon. Et on est parti, messieurs dames, avec ici un Angemon. En bleu, ça fait très bizarre, Angemon en bleu. Blossomon, Dokugumon, Duramon, Howling Crusher, du coup, qu'on avait en artwork alternatif, mais qu'ici on a en commune. Lavoga Ritamon, désolé, hein, je fais toujours une pause pour être sûr de ne pas me planter dans son nom. Anjoumon ici. Argomon, qui sera notre premier Unko de ce booster, le Argomon Mega. Qui est vraiment ultra stylé, n'empêche comme ça. Ok. The Ray of Victory ici, qui sera notre deuxième Unko. Un Greymon qui sera notre troisième Unko. Un Greymon virus d'ailleurs. Lady Devimon qui sera notre première rare de ce booster. Donc, lorsqu'elle digivole, vous pouvez piocher 2 puis défausser 2. Enfin, trash 2 de votre main. Et en héritage, durant votre tour, une fois par tour, lorsque vous utilisez une option, vous pouvez delete un Digimon de niveau 3 de chez l'adversaire. Et derrière, nous avons une autre rare. Ok, qui est en opposition avec la Lady Devimon. Mais du coup, Anjoumon ici. Donc, lorsque vous digivolvez un de vos Digimon. Non, un Digimon de l'adversaire gagne Security moins 2. Bon, bah, jusqu'à la fin du prochain tour. Et lorsqu'elle attaque en héritage, si vous avez 3 ou moins de Security, vous pouvez jouer un Digimon de niveau 3 depuis votre main sans payer son coût de mémoire. Ouais, elle est plutôt sympa, la Anjoumon comme ça. Ok. Et elle avait, bon, j'espère qu'avec la caméra ça s'est pas trop vu, mais elle avait un buste, elle respire bien, elle respire bien. Mais ça c'est le problème d'Angemon, hein. Elle a toujours eu un buste de type très développé. Ici on a un Mega Sidramon qui est giga stylé, ok. Volcanic Flare, Mamimon, Sukamon ici, Tankmon, Giromon ici, Giromon peut-être ça se dit, aucune idée, Penguinmon ici, notre premier Unko ce sera Nyaromon. Notre deuxième, ce sera Argomon, mais cette fois-ci en champion. Moi, c'est le Argomon que je trouve le plus moche, je veux pas vous mentir. Ici, notre troisième Unko, pardon, c'est un Teriemon, qui lui est plutôt fort. Donc tous les tours, votre adversaire ne peut plus gagner de mémoire, excepté avec des timers. C'est plutôt cool, sincèrement.
Vimon ici, qui c'est notre première rare, donc c'est un Vimon Jaming, ce qui est plutôt cool. Sincèrement, il y a un deck qui tourne autour de toute façon avec lui. Et derrière, nous avons, oh, une SR, et c'est Ceresmon, il est giga stylé. Alors, Digisorption, moins 3. Donc, lorsqu'un de vos Digimon peut digivolver cette carte, vous pouvez le suspendre pour réduire le coût de digivolution de 3. Donc, techniquement, vous le payez pour 2, mais vous l'engagez. Votre tour, et une fois par tour, lorsque vous suspendez un Digimon pour faire une Digisorption, vous pouvez suspendre un Digimon adverse à la place. Oh, la connerie! Oh, c'est de la saloperie, ça! D'accord. Oh, c'est très particulier. Il y a peut-être moyen de faire des conneries après. Le problème, c'est que c'est un méga, donc il arrive tard, techniquement, et faut faire un deck autour de la Digisorption pure et dure. Il y a... Bon, c'est vraiment salopard, quoi. C'est littéralement... Attends, je vais suspendre tes Digimon pour me... me faire du plus. Surtout que ça permet, du coup, de suspendre des bloqueurs, donc... Ouais, en vrai, c'est de la saloperie, ce Ceresmon. J'aime beaucoup. Hop, tac, on met ça là. Et du coup, ici, nous avons un Ikakumon en commune. Plasma Strike, Psychemon, Rapidmon, Lavoromon, Clockmon, Death Parade Blaster, A Delicate Plan, ici, qui sera notre première Unco. J'aime beaucoup l'artwork. Se dire que Black Wargreymon et Wargreymon sont en train de jouer aux cartes pendant qu'il y a tout le monde qui fait sa vie à côté. C'est plutôt mignon. Vikemon ici qui sera notre deuxième Unco. Argomon, donc un des bébés que je joue qui sera ici en Unco également. Hop, et du coup notre première rare ce sera Breath of the Gods. Donc en main, un de vos Digimon gagne reboot jusqu'à... ce Digimon ne peut pas avoir de ses DP réduits. Ou ne peut pas être retourné dans la main ou dans le deck jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie pour deux? Ça contre le deck vert, techniquement. Ça contre Nidogmon, pour être précis. Et en security, les Digimon de votre adversaire ne peuvent pas attaquer de joueur ce tour. Et c'est vraiment bien cette carte, ok. Et du coup, Sylphimon, qui serait notre deuxième rare. Alors, c'est une carte en rouge. Lorsqu'elle digivolve, changez le DP original d'un des Digimon de votre adversaire de niveau 4 ou moins à 1000 ce tour. D'accord, c'est très particulier. Et durant votre tour, cette carte est également traitée comme une carte jaune, puisqu'il peut digivolver sur du jaune et du rouge. Ok. Ok, c'est très particulier comme carte. Après, techniquement, ça permet du coup, je suppose, de faire en sorte qu'un Digimon adverse... après, c'est max niveau 4. Ouais, donc il y a des bloquants techniquement en max niveau 4. Donc écoutez, c'est à voir. Je sais pas si Sylphimon est joué, je pense pas, mais très particulier ce Digimon. Garudamon, ici. Ah, Sidramon, Antilamon, Lightning Pow, Kunemon de Digimon World qui nous vole un Digichampi, merci Kunemon, Gazimon ici, Zuba certainement, Eagermon ici, ok. Notre premier Unco ce sera Valkyriemon, notre deuxième ce sera Bancho Stingmon, notre troisième et dernier Unco de ce booster ce sera Eden's Javelin. Derrière nous avons Ken Ishijoji, pardon. Qui sera notre première rare, donc c'est un timer. Au début de votre tour, si vous avez 2 ou moins de mémoire, vous pouvez la mettre à 3. Durant votre tour, lorsqu'un de vos Digimon vert ou bleu efface un Digimon adverse au combat et survit, vous pouvez le suspendre pour gagner une de mémoire, et en security, vous le jouez gratos. Bon, il est pas terrible, Ken, on va pas se mentir. Et du coup, on a un Vimon à nouveau, Jaming, ici. Ok. Tac. Ah messieurs dames, c'est notre 10e booster si je compte bien là tout de suite. Donc on arrive tranquillement sur la moitié de la vidéo. Hop. Enfin la moitié de la display, peut-être pas de la vidéo puisqu'on techniquement on a pris un peu de temps pour parler et montrer les dash packs, etc. Alors ici nous avons Cherry Blast, Armadillomon, Aquilamon, Tia Ludomon ici, Agumon, Meramon, Arctic Blizzard, Clavis Angemon qui sera notre premier Unco. Demi-Vimon qui est trop mignon qui sera notre deuxième Unco. Lopmon ici qui sera notre troisième Unco. Derrière Breath of the Gods qui sera notre première rare de ce booster. Et derrière nous avons en SR Grand Kuwagamon. Il est beaucoup trop stylé ce Digimon. Du coup Piercing et durant votre tour il gagne plus 4000 de DP. C'est donc une 15 000 durant votre tour. C'est un beau bébé. J'hésitais à le jouer dans vert mais au final il est pas si... Bon, que ça, le piercing est cool, mais il a pas moyen de... En fait, contrairement aux autres, genre Hercules Cabuterimon du deck, ou... comment elle s'appelle? C'est pas Rosemon, c'est... C'est Lilamon. Lilamon, il a pas moyen de faire du... En sorte du Digiburst pour les engager, donc bah, au final... La Grand Kuwagamon, il est un peu moins bien.
Hop, du coup, messieurs, dames, on continue notre 11e booster de cette display. Tac. Voilà. Alors, on pose ça. Et du coup, ici, nous avons un Skull Mermon. Agumon. Enfin, Black Agumon, techniquement, c'est très bizarre du coup. Patamon. Biomon. Betamon. Arukenimon, ici. Beast Cyclone, qui sera du coup une option en noir, ok. Goldramon, qui sera notre première runco de ce booster. Gigimon, qui sera notre deuxième. Black Gatomon, qui sera notre troisième. Mega Gargomon, qui sera notre première rare. Donc lorsque vous digivolvez, vous pouvez suspendre un Digimon adverse. Il ne se désuspend pas. C'est très bizarre dit comme ça, mais durant la unsuspend phase. Et durant votre tour, tant qu'un Digimon est, est suspendu en jeu, ce Digimon gagne Security Attack plus 1. Donc c'est plutôt sympa. Et derrière, Metal Mamemon ici, donc en référence à l'intro Digimon World, j'ai l'impression. Donc il a le reboot, donc il se détape durant le tour adverse. Et when Digivolving, vous pouvez renvoyer un Digimon de niveau 7 avec virus dans son tribut depuis votre trash à votre main. Ok, c'est plutôt sympa, messieurs, dames. Notre 12e booster, donc on est officiellement à la moitié de notre display. Hop, tac. Et on est parti, messieurs, dames. Voilà. Hop, on pousse ça là, ça on l'enlève. Et du coup, ici, on a Hawkmon, Commandramon, Magna Angemon, Gatomon, Aruromon, donc le Palmon alternatif qui est plutôt mignon, j'aime beaucoup l'artwork, Necrophobia, Turiemon, Code Cracking qui sera notre première Unco, Erdramon, un Digimon de Digimon World qui était chiant à battre en plus, qui sera notre deuxième, Poromon qui sera notre troisième, Testament qui sera une rare du coup de ce booster, donc jusqu'à la fin du tour de votre adversaire, jusqu'à la fin du prochain tour de votre adversaire, de vos Digimon gagne bloqueur, ok, c'est plutôt logique, et en security vous piochez un puis vous ajoutez cette carte à votre main, donc c'est sympa. Et derrière nous avons un Etemon en rare, donc il a le bloqueur. Et lorsqu'il est delete, vous pouvez révéler les 5 cartes du dessus de votre deck. Vous pouvez jouer un Digimon de niveau 6 qui a Etemon dans son nom parmi elles sans payer son coup de mémoire. Et on met le reste en dessous du deck. C'est plutôt sympa. Il est cool ce Etemon. Et du coup, messieurs, dames, hop, tac. On passe à la deuxième pile de boosters. C'est parti. On vous êtes fatigué, hein. Excusez-moi, mais bon. Je me dis toujours, est-ce que c'est toujours intéressant de tout montrer, mais en même temps, je me dis, bon. Si vous êtes encore là, bah je vous remercie, quoi. Du coup, ici, nous avons Raiji Ludomon, Gomamon, qui est beaucoup trop mignon, Geogremon, Vorvomon, ici, Shamanmon, Hollywave, Jewel Bimon, j'ai eu peur de dire de la connerie, Ludomon, qui sera du coup notre premier unco de ce booster, Birdramon, qui sera notre deuxième, il est divin l'artwork de ce Birdramon, la vache, Upamon, qui sera notre troisième, Ex Vimon qui sera du coup notre première rare, donc lorsque vous digivolvez, vous pouvez unsuspendre un de vos Digimon de niveau 4, ou moins, spoiler, c'est un niveau 4, donc il peut se unsuspendre lui-même, ok, et derrière nous avons une secrète, et il s'agit du Black Wargreymon, que je vous y avoue, parce qu'il est trop stylé, donc il est magnifique ce Black Wargreymon comme ça, donc lorsqu'un Digimon, tant que votre adversaire a un Digimon avec 10 000 de DP ou plus en jeu, réduisez le coût pour jouer cette carte de 6, donc on peut le jouer pour 7. Lorsqu'il attaque, si vous attaquez le Digimon adverse qui a le plus de DP, vous pouvez unsuspendre ce Digimon en plus. Il est giga stylé, sincèrement. 12 000, bon, c'est un peu chiant parce que du coup, techniquement, si on le joue pour 7, 12 000, c'est bien, mais il a le mal d'invoque, etc. C'est plutôt chiant. Après, pour 4 seulement. De Digivolution, normalement tu le chies gratos comme ça, quoi. Il est divin ce Black Wargreymon. Sincèrement, il est beaucoup trop cool. Hop, tac, on continue, messieurs, dames, du coup. Voilà. Hop. Bon, bah, très belle ouverture, très belle ouverture. J'aime bien cette display. Hop, alors ici on a donc un Argomon, Vimon, Positron Laser, Arukenimon, ici, Gomamon, Tankmon, Beat Cyclone, Gururumon, du coup le Garurumon alternatif qui du coup sera notre première Unco, Hidden Potential Discovered qui est une carte extrêmement forte qui est sur la banlist d'ailleurs comme l'Argomon Ultimate, extrêmement forte puisque ça vous permet de suspendre un Digimon pour réduire le coût de Digivolution de 5, donc c'est vraiment broken. Oula, Bastemon, je ne connaissais pas ce Digimon et il est pareil, il est très
Olé Olé, on va dire, qui sera notre troisième Unco. Glorious Burst à nouveau, qui sera notre premier rare de ce booster. Et Ragna Lordmon, donc c'était lui qu'on voyait sur le booster, qui sera du coup une SR. Et alors, que fait-il Ragna Lordmon? Alors, Security Attack plus 1, Reboot, et lorsque vous le digivolvez, vous pouvez placer un Durandamon ou un Briwe Ludramon depuis votre main au-dessus de cette carte de digivolution pour gagner 3 de mémoire. On top of this digivolution card. D'accord, ok, c'est techniquement, ouais, vous lui rajoutez une digivolution en plus. Il est sympa. Il est vraiment cool, ce Ragna Lordmon. Et surtout, ce digivolution pour 3, what the fuck. Ah ouais, non, il est vraiment cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Surtout, c'est Security Attack plus 1, donc il y a moyen d'en faire un gros port. Et en plus, Reboot. Donc il se détape durant le tour adverse. Ça va, c'est... Il fait le café, ce Ragna Lordmon. Ok. Hop. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a ici? On a Gatomon, Sukamon, Ikakumon, Death Parade Blaster, Saber Dramon, Clockmon, Command Dramon, Demi Vimon qui sera notre premier Unko, Ankylomon qui sera notre deuxième Unko, qui est un Digimon que j'aime beaucoup, Zubamon qui sera notre troisième. Derrière, nous avons un Stigmon en rare, donc pas d'effet, mais en héritage il a durant votre tour, une fois par tour. Lorsque ce Digimon delete un Digimon adverse au combat et survit, vous gagnez un de mémoire, c'est plutôt sympa. Et une Mimi Tachikawa qu'on avait déjà vue, qui sera notre deuxième rare de ce booster. Hop là. Tac. Voilà. Et on continue, messieurs, dames, comme toujours. Hop. Tac. Ça, là. Et on est parti ici avec un Patamon en bleu. Je trouve ça très bizarre de voir Patamon en bleu. Garudamon. Candlemon. Agumon. Plasma Steak. Mamimon. Aquilamon. Vidramon, qui est toujours aussi moche et terrifiant. Moi, il me fait peur, Vidramon, comme ça, qui sera notre premier Unko. We have to stop fighting, qui sera notre deuxième Unko, avec Manzaemon, qui est en train de juger Metal Greymon et Metal Mamemon. Ok, pourquoi pas. Demi-Meramon, qui sera notre troisième Unko. Ah, Shakumon, qu'on avait eu dans l'ouverture d'un des decks, qui sera notre première rare. Donc, durant votre tour, ce Digimon est également traité comme bleu. Et durant le tour adverse, tous les Digimon qui n'ont pas de Devolution Card gagnent moins... Enfin, Security Attack moins 1, donc ça permet de baiser techniquement la stratégie des Level Free Jaming. Et derrière, nous avons Brave Shield, du coup, mais avec son artwork normal en rare. Ok, ok. Hop. Tac. C'est vrai qu'on a... Je suis en train de penser, mais on a quand même ouvert beaucoup de produits Digimon en très peu de temps. Je veux dire, le jeu, je l'aime énormément. Donc, écoutez, pourquoi pas. Hop là. Tac. Et ici, nous avons... Un Psychemon, Tia Ludomon, Aruromon, Magna Angemon, Agumon, Megasidramon, Angewomon, Salamon qui sera notre premier Unko, Flymon notre deuxième, Demi-Vimon notre troisième, Dino Bimon qui sera du coup une rare ici qu'on avait eu au tout début, et derrière nous avons Ulforce Vidramon, donc c'était un Vidramon, ok, j'avais pas du tout reconnu que le mec du booster c'était Ulforce Vidramon, donc écoutez pourquoi pas, qui sera une SR, hop. Alors, durant votre tour, lorsqu'un Blue Tamers devient suspendu, vous pouvez unsuspend Ulforce Vidramon. Et durant votre tour, une fois par tour, lorsque ce Digimon devient unsuspend durant votre main phase, vous pouvez gagner un de mémoire. C'est plutôt cool. En vrai, il est sympa. C'est pas exceptionnel, mais il est sympa. Donc écoutez, c'est déjà ça. Hop, tac, voilà. Et du coup, que contient ce booster pour nous? Hop là, tac, ça part. Et du coup, ici, nous avons Rapidmon, Arctic Blizzard, Dokugumon, Meramon, Gargomon, Sidramon, Lavogaritamon, j'ai essayé de le dire d'un coup, Bastemon, toujours aussi lascive, je crois qu'on dit, Hidden Potential Discovered en deuxième Unko, Zubamon en troisième Unko, Wormmon, qui est vraiment trop mignon, qui sera notre première rare de ce booster, et derrière, nous avons un Cress Garurumon, ici, en super rare, tac. Alors, que fait-il? Je crois qu'on l'avait eu aussi en booster. Reboot, du coup, vous pouvez le unsuspend. Lorsqu'il digivole, vous révélez la carte du dessus de votre deck pour chaque Digimon que votre adversaire a en jeu. Vous pouvez jouer un Digimon rouge ou noir parmi elles, qui est de niveau 5 ou moins, sans payer son coup de mémoire. Placez le restant en dessous du deck. Plutôt sympa. En vrai, ça permet surtout que noir, ça joue avec les bloqueurs. Il y a moyen, je pense, de faire des belles conneries avec, surtout qu'on peut quand même le jouer dans le rouge. Donc écoutez, pourquoi pas. Hop! Tac. Prochain booster, messieurs, dames. Bon, j'espère que vous êtes toujours avec moi jusqu'au bout pour cette ouverture. Hop.
tout cas, elle est vraiment cool. Hein. Je l'aime beaucoup cette display. Elle nous a fait vivre quand même pas mal de bonnes cartes quoi. Lightning Pow, Vorvomon, Gazimon, Aokmon, Necrophobia, Skelmeramon, Raiji Ludomon, j'ai eu peur de mal lire son nom, Gigimon en Unko, Clavis Angemon en Unko, Gururumon qui sera notre troisième Unko, Exvimon qui sera notre première rare de ce booster qui est toujours aussi cool, et Grace Cross Freezer, du coup une option avec Metal Garurumon en tête d'affiche. Donc en main, jusqu'à la fin du tour de votre adversaire, leurs Digimon qui n'ont pas de Digivolution Cards ne peuvent pas attaquer. Et en security, les Digimon que votre adversaire, qui n'ont pas de Digivolution ne peuvent pas attaquer ce tour. Ok, plutôt sympa. Hop, alors. Tac. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Alors, on arrive doucement à la fin, messieurs, dames, déjà. Bon, je dis déjà, mais ça fait un petit moment qu'on y est quand même, mais bon. Géogrémon, ici. Lavorvomon. Bifrost. Duramon. Argomon, ici. Betamon. Cherry Blast. Ouf là. Bon, bah ça, c'est fait. Hop, alors. Tac. J'ai fait tomber à peu près toutes les cartes, je crois. Tac, ça arrivera, messieurs, dames. Donc, on en était à Cherry Blast. Heureusement, je me suis pas spoil. J'ai mal remis les cartes, donc tant pis. Donc on a notre rare ici qui est Pale Dramon, donc Jaming, et lorsque vous attaquez une fois par tour... Eh mais comment j'ai remis les cartes du coup si... lorsqu'il attaque une fois par tour en héritage, ce Digimon a Imperial Dramon dans son nom, vous pouvez le unsuspend. Durandamon, bon bah j'ai inversé toutes les cartes, donc qui sera notre deuxième rare. Il a le Piercing en héritage, Demi-Meramon et Argomon, et Puppet Pommel qui sera du coup notre prochaine... Ah oui, Cherry Blast c'était une commune. Ah, au secours. Bon, ça arrive, je suis allé un peu trop fort sur les cartes. Heureusement, il n'y avait pas de cartes importantes. Enfin, importantes. Pas de grosses raretés qui valent cher, donc c'est pas trop grave. On peut se permettre des erreurs, messieurs, dames, ça arrive, c'est pas grave. Ici, nous avons un Pinguinmon, Angemon, Antilamon, Howling Crusher, Giromon, Cunemon, Biomon. Hop, ici, nous avons notre premier Unko, il s'agit de Valkyriemon. Wormmon, notre deuxième, Vidramon, notre troisième, Stigmon, qui sera une rare, et derrière nous avons, Blitzgremon, ici, je crois que j'avais dit Ricegremon tout à l'heure, je crois que je les confonds tous, qui sera une SR, et du coup il a le piercing, et lorsqu'il digivolve, trigger des digivolve 2 à un des Digimon adverses, du coup vous lui trachez jusqu'à ce que ça devienne un niveau 3, ou qu'il n'ait plus de digivolution card. Ok. Tac. Alors, il nous reste, messieurs dames, 3 boosters. Bon, on va voir celui-là, et après, je sais pas... Bon, on les fera dans l'ordre. J'étais en train de me dire quel booster je préfère parmi ceux qu'on a, ceux qui nous restent, mais... je vais pas vous mentir, ils sont dans le bon ordre. Hop. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans cette display. Blossomon, ici. Volcanic Flare. Turiemon. Armadillomon. Zuba Igermon. Holywave. Argomon. The Ray of Victory qui sera notre premier Unko, Nyaromon qui sera notre deuxième, Argomon notre troisième, Ophanimon qui sera notre première rare de ce booster, donc Undilation, placez cette carte dans votre security stack, face down au-dessus, ok c'est plutôt sympa, et derrière nous avons Rina Shinomiya, je connais pas ce perso, du coup qui sera une rare, un timer, donc durant votre tour, lorsqu'un de vos Digimon bleus attaque, vous pouvez suspendre ce timer pour lui donner plus 1000 de DP pour le tour. Lorsque vous la jouez, révélez les 3 cartes du dessus de votre deck, et ajouter un Digimon qui a vie dans son nom parmi elles, et placer le reste en dessous de votre deck. Donc c'est pour les decks Vimon. Ok, bon, c'est sympa. Hop, tac, messieurs, dames, avant-dernier booster de cette ouverture. Est-ce qu'on va avoir du lourd, encore une fois, peut-être une SR? Normalement, on a eu le ratio de SR, il me semble, mais bon, écoutez, pourquoi pas. Hop là, Shamanmon, on peut rêver. Positron Laser, Vimon, Jewelbimon, Arukenimon. Ça y est, je commence à ne plus savoir parler. Saberdramon, Gargomon, Birdramon qui sera notre premier Unko, Upamon notre deuxième, Teriemon notre troisième, Ricegremon qui est beaucoup trop stylé. En rare, donc lorsque vous le faites digivolver, vous pouvez jouer un timer jaune depuis votre main sans payer son coup de mémoire. Any on-play effect de ce timer ne s'active pas cependant, d'accord. Durant votre tour, tant que vous avez au moins 3 ou plus timers jaunes en jeu, ce Digimon gagne Security Attack plus 1, c'est honnête. Et Salamon ici en rare, donc en héritage, lorsqu'il a votre Digimon attaque,
Un Digimon adverse gagne moins 1000 de DP pour le tour. Ok. Messieurs, dames, le voici, le voilà. Notre dernier booster à l'effigie de la display. J'espère qu'il sera bon. Un petit booster, allez, une dernière SR. Une secrète, allez, on demande toujours plus, un Arsenal Kalter. On veut des dingues, on veut des dingueries pour ce dernier booster. Howling Crusher. Tia Ludomon. Gomamon. Death Parade Blaster. Zuba Igermon. Ikakumon. Sidramon. A Delicate Plan qui sera notre première unco de ce booster. Ludomon qui sera notre deuxième. Erdramon qui sera notre troisième. Scrap Claw qui est une rare qu'on n'avait pas encore vue. Une rare option, donc elle n'a pas de security effect. Mais du coup, en main, un de vos Digimon gagne piercing. Pour le tour, ok, c'est juste ça. Je regardais juste, il donnait la description de piercing derrière. Et derrière, nous avons Cherubimon qui sera une rare. Du coup, Cherubimon, lorsqu'il attaque, si vous avez 3 ou moins de security, vous pouvez placer un Digimon jaune depuis votre trash au-dessus de votre security en face down. Et bah écoutez, messieurs, dames, donc on a toutes nos communes et Enco qui sont là ici. Nos rares, on a quand même une belle sélection de rares. On n'a pas trop eu de double, donc ça va encore. Hop, toutes nos rares qui sont ici. Voilà. Tac, on va les mettre là. Une des promos qu'on a eu ici, hop, c'est notre box topper. Alors, c'est nos cartes du dash pack en artwork alternatif. Tac. Et il faut que je les sépare tout de suite, sinon je vais oublier. Tac. Et tac. Du coup ici, oups là, j'ai encore shooté dans la caméra pour changer. Nos SR ici, messieurs dames, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a quand même eu 9 SR différents, techniquement 10 avec l'artwork alternatif. Donc écoutez, elles sont plutôt stylées, sincèrement elles sont cool. Hop, on va les mettre là, comme ça. Et messieurs dames, en artwork alternatif, on a eu le Imperial Dragon, Dragon Mode. Enfin, Imperial Dramon, pardon, Dragon Mode. Et notre secret, ce sera Black Wargreymon, ici présent. Donc écoutez, hop, on va les mettre, tac, voilà, là, comme ça. Et bah écoutez, messieurs, dames, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, que ce soit sur du Digimon, du Final Fantasy, du Dragon Ball Super, du Yu-Gi-Oh!, du Magic, ou peut-être, qui sait, du Pokémon, si j'arrive à en retrouver. C'était Siwed, à plus tout le monde!